de François Bidot. Troisième minute, Pedros pour Welleck. Premier et seul but de la partie. On va le voir au ralenti. Un but très chanceux puisque c'est Vitschke qui détourne ce ballon de Pedros et qui le donne en fait à Welleck. Un but de grande classe de Nicolas Welleck. Pied gauche alors qu'il est droitier. Huard était battu. Peu d'occasions de but côté bordelais. Une seule à la suite de ce centre de Dugarry. Une reprise de Vitschke. Roland Courbis à 7h doit avoir la barbe en moins. Nantes est qualifié pour la deuxième année consécutive pour les quarts de finale de la Coupe de France.